Bonjour chers internautes. Alors dans un ménage, quand il s'agit d'assumer les tâches ou encore les responsabilités qui concernent les finances, messieurs, pouvez-vous accepter de faire 50%, 50% avec votre conjointe ou encore votre femme? Répondez à cette question en restant connecté sur News Live. 50-50. Bon, je dirais non. Je dirais non, pourquoi? Parce que en tant qu'homme, je préfère avoir ma place. Faut avoir ma place et diriger le foyer. Ça veut dire que je préfère donner l'empreinte d'homme. C'est vrai que la femme peut aider, je ne refuse pas, c'est normal, c'est bien normal, mais je préfère rester avec ma dignité d'homme parce que on sait un peu les conséquences plus tard, lorsque voilà, tout va mal ou bien tout se passe mal. Oui, je peux faire 50-50 dans mon ménage, partager les différentes tâches et avec si je vis avec une femme, je peux le faire, Mais c'est pas mauvais, c'est une bonne chose, 50-50. Au moins, on sait que les tâches sont plus ou moins partagées, mais généralement, c'est l'homme qui fait tout. Mais si la femme peut apporter son aide à travers ce qu'elle perçoit, c'est pas mauvais. Je peux accepter 50-50. Volontairement, j'accepte même. Bien entendu, oui. Je peux faire 50-50 avec ma femme. Si elle travaille, moi aussi, je travaille. Au moins, au niveau des charges, on peut les supporter. Si à un certain niveau, moi, je gère, elle aussi, à son niveau, elle gère certaines factures. Voilà donc qui est dit, chers internautes. Les hommes estiment que 50% chez l'homme, 50% chez la femme, c'est une bonne initiative, surtout que ça permettrait à être équilibré dans le foyer, mais surtout de réaliser des projets en commun. Sauf que la responsabilité de l'homme doit toujours dépasser celle de la femme quand il s'agit de finances, pour que le respect demeure simplement. Merci d'avoir répondu à la question du jour et n'oubliez pas de rester connecté sur Newslife.